Le Hitch, ça c'est celui qui vient avec le système des barres. La barre stabilisatrice, c'est pour le poids en fait. Ça enlève le poids sur la flèche. Et ça, c'est ça empêche le roulis. Donc c'est deux trucs différents qui s'accrochent au hitch. Il y a un trou sur la partie femelle. On met la goupille et le clip dans la goupille. Ok, alors pour mettre la caravane, ben on passe la boule en dessous, bien sûr. Je sais pas si, hop, il a remis le. Ça c'est la sécurité pour pas que ça saute. Pour pas que ça saute. Il remonte pour enlever le poids. Et même il soulève le van. Ah oui. Et maintenant il va mettre les barres stabilisatrices. Can we come on that side real quick? Or... I'll come here, I'll do the other side. Pull that down. Je descends ça. Bon, il y a un sens, hein. ça rentre dans un sens et pas dans l'autre. Chain up. Ça se met comme ça la chaîne en haut. Just that. Now it's down. So, on this, you know, you're just going to have to figure out what link is going to be best, okay? Because I don't know. Je le monte. En fait, en montant la caravane comme il a fait, la souffler l'arrière, là il y a du jeu, et en baissant la flèche, ça va resserrer tout ça. Ouais, comme il dit, pas oublier le petit clip là, pour que ça tienne. Ok, l'autre côté, je vais faire là, je lève un petit peu. Ça vise un petit peu pour que ça le faire passer. Hop, on rebaisse le. Goofy, là pareil. En fait, on peut compter les maillons aussi. Can the link? Can I go make sure? Moi, c'est vrai, I'm not going for anyway. That should be good enough. Okay. Les chaînes devant là, en général, il faut les croiser. Make sure your chains are crossed. Voilà. Right. And before I hook the chains up, I'm going to lower it back down and put the tension back on that. Ok, il va baisser la caravane avant de mettre les chaînes. Et ça va mettre là, il y a du jeu, et en descendant en fait, ça va devenir de plus en plus... En fait, c'est ça qui enlève le poids de la flèche. Ça fait un peu comme une brouette, quoi. Ça soulève... et ça empêche que la voiture qui craque, soit complètement affaissé, quoi. Et donc, comme je disais, la sécurité de frein électrique, en fait. Si jamais la caravane donc ça, on l'accroche à l'avant du véhicule tracteur. Tell them it is original, and if in France, if they wanted to update it, all they need to do is this piece. C'est le truc original. En fait, il y a juste un fil qui arrive, un fil qui sort, c'est le même, ça coupe, mais ça donne le courant, quoi. Et si jamais, donc, la caravane... Ça, on va l'accrocher à l'avant, et si jamais la caravane se débranche, et ben ça va tirer ça, et ça mettra les freins qui vont se mettre en marche. Mais pour ça, il faut avoir la batterie. En fait, ça c'est le boîtier de frein. Hop. Voilà, on peut pas voir, quoi, mais bon. Ça freine manuellement, ou si j'appuie sur la pédale, ça freine manuellement. Et après, il y a deux réglages pour la force de freinage, la vitesse du freinage, et ça c'est pour le pareil pour par rapport à l'inertie, quoi. Ça marche à l'inertie. Si on freine un coup sec, ça va le savoir et ça va freiner plus fortement.